Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Francine Toumi, qui est donc professeure à l'Institut de médecine tropicale de l'Université de Tübingen, j'espère que j'ai bien prononcé, en Allemagne, et présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Elle a obtenu son doctorat en sciences de l'Université Pierre et Marie Curie et a débuté sa carrière dans la recherche sur le paludisme à l'Institut Pasteur de Paris et la poursuit donc dans différents pays, le Gabon, l'Allemagne et le Congo. Elle a également occupé des postes dans les organisations internationales aux Pays-Bas et en Tanzanie, où elle a été premier leader africain de l'initiative multilatérale sur le paludisme. Elle a créé en 2009 au Congo la Fondation congolaise pour la recherche médicale et y fonde les laboratoires de biologie moléculaire et parasitologie, microbiologie, dépendant de cette fondation et de la Fondation des sciences et techniques de l'Université Marien Ngouabi. En 2012, elle a reçu le prix scientifique Kwame Nkrumah de l'Union africaine pour les femmes, le prix Christophe Mérieux en 2016 pour encourager ses travaux de recherche sur les maladies infectieuses en Afrique centrale. Enfin, en avril 2021, elle a été élue présidente du conseil scientifique de l'IRD, qui est donc l'Institut de recherche pour le développement. Donc ça, c'est pour notre invitée, qui est donc Madame Francine Toumi. Madame Francine Toumi, voilà, présente. Bonjour. Bonjour ou bonsoir. Ou bonsoir plutôt. Merci pour ta présence et d'avoir accepté, je me permets de te tutoyer, d'avoir accepté d'être invitée et de répondre donc à cet échange. Pour info, donc, l'échange va se faire, je vais poser donc une série de questions à Madame Francine Toumi. Et à l'issue de ces questions, vous pourrez lui poser donc d'autres questions si vous le souhaitez. Alors, Francine, est-ce que ma présentation a été correcte ou y a-t-il quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, c'est bon, elle a été correcte, merci. D'accord, parfait. On va entamer la première question. Donc, ton doctorat a porté sur une thématique de recherche fondamentale surprenante, a priori, pour une Africaine, à savoir le vison. Et comment passes-tu du vison à un intérêt pour les maladies infectieuses et le paludisme en particulier? Alors, le vison, très intéressante question. Le vison, c'était juste un modèle au cours de ma thèse de doctorat que j'ai fait donc, à l'université Paris 6 en France. Et c'était un moyen d'apprendre ce qu'était la recherche, poser une question scientifique, quels sont les moyens à utiliser pour répondre à la question. Mais évidemment, mon objectif était de rentrer au Congo-Brazzaville pour travailler. Et en cours de doctorat, je me suis demandé comment j'allais appliquer ce que j'avais appris sur le vison, comment faire en sorte que le vison puisse rapidement avoir de longs poils pour être sacrifié par les éleveurs et permettre aux éleveurs de gagner, de dépenser moins pour la nourriture et l'élevage de ces visons. Donc effectivement, ce n'était pas une thématique adaptée. Donc, je me suis posé la question, bon, que vais-je faire après avec ce doctorat? Et je me suis dit, bon, pour rentrer au Congo, la thématique la plus adaptée, c'est de travailler sur des maladies infectieuses. Première question. Deuxième question, quelle est la maladie infectieuse qui tue le plus? Le paludisme. Et j'étais en France, j'ai cherché quels étaient les groupes de recherche les plus performants dans le paludisme et en lien avec les pays, vraiment travaillant directement avec des pays endémiques. Et ça a été l'Institut Pasteur
de Paris. Et j'ai fait mon post-doctorat donc sur sur la TB. Thématique donc du parce que je voulais rentrer au D'accord, Congo-Brazzaville. d'accord. Alors, le prix que vous avez, enfin, je vois le prix que tu as reçu, enfin, du moins, les prix plutôt, les prix que tu as reçus le sont en raison des travaux que tu as effectués au Congo. Mais comment tu vis le fait que cette reconnaissance vienne plutôt de l'extérieur? Ah, déjà, le premier commentaire, c'est que nul n'est prophète dans son pays, dit-on. Et mon cas peut-être le prouve aussi. Comme je le disais, mon désir était de rentrer au Congo, mais malheureusement, quand on fait ses études à l'étranger, est-ce que vraiment le pays est prêt à nous recevoir? À nous reprendre, c'est la première question qu'il faut se poser parce que j'étais boursière à un moment de ma vie du gouvernement congolais, mais j'ai pas eu l'impression qu'on était très pressé de me récupérer après mes études. Donc j'ai voulu rentrer au Congo. Ça a été très difficile d'être recrutée. Donc j'ai créé mon emploi qui était la Fondation congolaise pour la recherche médicale et malheureusement, il y a une distance entre les Congolais qui ont été formés à l'étranger, qui ont commencé une carrière à l'étranger, et ceux qui sont restés au pays. Voilà, il y a une distance qui se crée, et j'avoue, je n'ai pas été forcément toujours la bienvenue. Ce qui fait que, effectivement, tout ce que j'ai fait au Congo, a été beaucoup plus apprécié de l'extérieur, qui en mesurait l'importance, qui en mesurait l'effort et qui m'ont donné des prix, des soutiens de toute nature. Mais c'est vrai que la reconnaissance des institutionnels au niveau du pays a été ou est très difficile. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important parce que par contre, la reconnaissance de la population congolaise, tous les jours, j'en ai des témoignages. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que la population a parfaitement compris ce que j'étais en train de faire. Et donc, là aussi, quels que soient les âges, jeunes, moins jeunes, quel que soit le niveau social, ils m'apportent tous vraiment un soutien très important qui me permet effectivement de tenir dans les moments un peu plus, dans les moments de doute que je peux avoir. D'accord, intéressant. Alors, ma troisième question, elle va porter un peu sur l'actualité. Et en lisant un peu tes interviews, etc., j'ai compris que tu as déploré que le Covid ait relégué les maladies tropicales au second plan et retienne autant l'attention. Pourquoi? Parce que je travaille sur le paludisme depuis plus de 20 ans maintenant. Et le paludisme est l'une des maladies infectieuses connues les plus anciennes. Toutankhamon serait mort du paludisme. Aujourd'hui, il y a eu des traces d'ADN donc du falciparum qui montrerait qu'il soit mort du paludisme. Donc, c'est une très, très vieille maladie. C'est très difficile d'avoir des financements adéquats qui permettent de conduire la recherche nécessaire pour trouver les solutions. Et la COVID est arrivée, je suis scientifique, et il n'y a jamais eu autant d'argent sur la table pour trouver une solution. Donc ça, c'est évidemment, c'était une pandémie, mais on a eu le VIH aussi, hein. Donc, il n'y a jamais eu autant de financements et en aussi court moment, en aussi peu de temps. Donc, c'était très appréciable, évidemment. Deuxièmement, il y a des mécanismes qui ont été mis en place qui n'existaient pas, à savoir le partage en temps réel et au jour le jour des connaissances pour aller plus vite
tous les jours, nous avions, et même ça continue, avoir des conférences avec les scientifiques du monde entier pour partager la connaissance. Ça, c'est très important. Donc, en tant que scientifique, et de plus, moi qui travaille sur le paludisme, j'ai été obligée de laisser tomber mes recherches sur le paludisme pour travailler sur la COVID. Parce que, bon, déjà, il y a peu de recherches dans le pays, mais l'équipement que j'avais, la connaissance que j'avais, faisait que je me devais de travailler sur la COVID pour servir mon pays, parce que la demande était là, il fallait faire du diagnostic, il fallait comprendre. Donc, c'est vrai que le soir, je me disais, mon Dieu, s'il y avait eu autant de soutien pour le paludisme, mais aujourd'hui, on n'en parlerait plus de cette maladie. Donc, et le paludisme tue plus que la COVID, qu'on le veuille ou non, et elle a détruit des systèmes économiques. Nos systèmes économiques sont impactés terriblement par cette maladie. Donc, et cela depuis des décennies et des décennies. Donc, notre développement est bloqué par cette, est empêché par cette maladie. Donc, vous voyez, voilà. Donc, quand je dis vous, bon, nos auditeurs. Voilà, en tant que scientifique, je me suis mise à espérer qu'un jour, l'élan qu'il y a eu pour la COVID serve aussi pour le paludisme. Voilà. Et encore une fois, je ne veux pas dire qu'il ne fallait pas faire ces efforts pour la COVID, non. Mais je me suis rendu compte que, voilà, il y avait de l'argent possible, encore plus d'argent possible pour la recherche. Et pour finir, pourquoi je l'ai dit, c'est que nos gouvernants qui n'arrivent pas à soutenir la recherche dans nos pays, là, soudain, ont mis la main à la poche pour soutenir la recherche sur la COVID. Mon Dieu, fantastique, mon Dieu, fantastique. Et donc là, je me suis dit, j'ai essayé de prendre à témoin les journalistes, la communauté, nous tous, dire, vous les avez vus? Ils ont mis la main à la poche pour la COVID. Il faudra qu'on le leur rappelle quand il s'agira de mettre la main à la poche pour le paludisme, qui est la maladie qui nous tue et qui nous empêche de nous développer. Voilà, c'était là mon propos. Surtout ceux qui d'habitude ne donnent rien à la recherche et qui soudain, pour la COVID, on trouve des milliards à déverser. Voilà. D'accord, très bien, oui. Ok, je comprends mieux, tout à fait. Alors, penses-tu que la recherche menée par les scientifiques locaux, par les scientifiques locaux pourrait, si elle était davantage valorisée par nos États, changer la donne? Oui, absolument. Et la COVID aussi est un bon exemple. On a beaucoup parlé des traits des plantes. La médecine traditionnelle qui est faite généralement à base de plantes. La connaissance dans ce domaine est importante en Afrique. Les savoirs endogènes, ces savoirs sont très importants, mais ne sont pas utilisés pour créer notre développement, à savoir, ok, mettre peut-être de l'argent pour pouvoir transformer ces savoirs endogènes en médicaments qui serviront non seulement nos propres communautés, mais la communauté mondiale. Donc, je suis persuadée absolument que si on prenait en compte la recherche et la recherche menée localement par les scientifiques locaux pour répondre aux besoins locaux, on pourrait aller plus loin et on aurait des résultats absolument, parce que les savoirs sont là. La plupart des médicaments, les molécules, on les trouve, les scientifiques ne les inventent pas, ils regardent ce que la nature a créé et ils copient ce que la nature a créé, quelquefois ils améliorent, mais ils regardent d'abord ce que la nature, ce qu'il y a autour de nous. Voilà, et nous avons encore une biodiversité tellement importante, tellement peu explorée, et donc le futur est dedans, le futur est là.
Le futur est là, donc tout le monde viendra regarder notre biodiversité qui a été si peu étudiée et beaucoup de choses seront découvertes. Mais pendant ce temps-là, on va encore peut-être être dépouillé de nos savoirs, de nos produits, de nos voilà, de notre source. Je n'en sais rien. Je ne serai plus là. Mais voilà, c'est. Je suis tout à fait convaincue que c'est vital, que notre futur en dépend, d'investir dans les scientifiques locaux, encore une fois, pour répondre aux besoins de nos populations. Oui. Je n'entends plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est moi, c'est moi. Je n'avais pas ouvert mon micro. Excuse-moi. Alors, je vais revenir encore un peu, enfin, ça revient un peu sur la COVID, ou en tout cas, quelque chose qui est lié à la COVID. Hein. C'est quelle est, selon toi, la pertinence d'un vaccin dans la résolution d'une crise sanitaire? Alors, les vaccins sont des outils de prévention contre les maladies, et par exemple les maladies infectieuses, par exemple. Et donc, face à une maladie, on a différents moyens pour y répondre, hein, pour la riposte, la prévention, le traitement. Donc, la prévention vaut mieux que le traitement, parce que le traitement veut dire qu'on est tombé malade. Donc, et le vaccin est un outil extrêmement puissant de prévention. Donc, effectivement, pour résoudre les crises sanitaires de cette ampleur, la vaccination est un outil extrêmement important. Et pour vous dire qu'actuellement, les scientifiques sont en train déjà de travailler aux futures épidémies et donc sont déjà en train de réfléchir à un vaccin qui pourrait prendre en compte non seulement la variabilité de certains pathogènes, mais beaucoup plus de pathogènes. C'est pour vous dire que les scientifiques sont en train de tirer les leçons et déjà, on sait très bien qu'il y aura d'autres épidémies de l'ampleur de celles que l'on vient de vivre, mais pour la prévenir, ben, la réflexion déjà est en train de se mettre en place pour des vaccins, presque un vaccin générique qui puisse répondre à beaucoup de pathogènes en même temps. Voilà. D'accord. Eh ben, OK. Actuellement, on observe de nombreux décès suite à la vaccination. Est-ce réellement le fait de la vaccination comme on pourrait l'entendre à travers donc les thèses, alors, les thèses dites complotistes, ou y a-t-il une autre explication plus rationnelle et moins polémique? Alors, oh, entre ce qui est dit dans les réseaux sociaux, bon, que la vaccination tue, bon, je n'y crois pas trop. Il faut des études de causalité, apporter la preuve que la mort a été, il y a un lien direct entre la mort et le fait d'avoir été vacciné. Donc, c'est la base. Donc, je ne crois pas, non, non. Les différents vaccins contre la COVID, ceux qui sont déployés, donc les plus connus, ont été testés aujourd'hui sur des millions et des millions d'individus. Qu'il y ait des effets secondaires, on le sait très bien. Qu'il y ait dû à certains facteurs des causes de morbidité, malheureusement des décès, cela aussi peut être attendu. Mais dire que la vaccination, vous vous vaccinez, vous avez de grandes chances, ou oh, grandes chances, une grande probabilité, ou une certaine probabilité de décéder de cette vaccination, non, je n'y crois pas. Non, 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 il faut des preuves de ce que l'on avance. D'accord. Alors là, en l'occurrence, oui, comme tu l'as dit, la vaccination. Et on peut en témoigner puisque tous nous avons plus ou moins été vaccinés. Et voilà. Mais la question que les gens, enfin les doutes que les gens se posent actuellement, c'est pour le vaccin qui est proposé, en tout cas pour ce qui est de la France, donc, et qui est donc ARN messager. Et là, on se demande, est-ce que, parce qu'il y a le mot qui revient généralement, c'est le fait qu'on n'ait pas assez de recul.
même si effectivement, depuis le début, il y a suffisamment de vaccinés, c'est sur celui-ci plutôt qu'il y a ce questionnement, ce doute, cette peur sur ce vaccin. Et est-ce qu'on peut appeler vraiment un vaccin pour l'instant? Pour le moment, l'OMS a donné l'autorisation, enfin, c'est un nom, c'est un produit d'utilisation en situation d'urgence. Bon, premièrement. Deuxièmement, je pense que nous étions en situation d'urgence. Donc, comment dire ça? Personne ne met en place des procédures pour tuer un maximum d'individus. Bon, pour ça, on va créer des bombes plutôt. Mais bon, dans ce contexte-ci, l'objectif vraiment est de sauver des vies. Donc, pour cela, il y a des procédures qu'on appelle des essais cliniques où la sûreté de ce qui est donné, injecté, ingéré et étudier. Dans un essai clinique, vraiment, la sûreté est la priorité, plus que l'efficacité. Il vaut mieux que quelque chose soit sûr mais pas efficace, plutôt qu'efficace et qu'il tue. Donc ça, pour tous ceux qui sont impliqués dans des essais cliniques pharmaceutiques le savent. Donc maintenant, effectivement, on n'a pas le recul. Effectivement. Au jour d'aujourd'hui, les mesures, les suivis sont faits de telle manière que les risques sont minimisés. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Mais cela, je dirais, c'est pour tous les, pas que pour la COVID, c'est pour tous les médicaments, tout ce que l'on va acheter à la pharmacie. Qu'est-ce qu'on appelle la pharmacovigilance? La pharmacovigilance, c'est le suivi des médicaments après qu'ils soient mis sur le marché parce qu'il y a des événements qui peuvent arriver que les essais cliniques n'ont pas vu, même s'ils ont été testés sur 1 million, c'est toujours trop peu. Il y a des effets qui peuvent arriver, des événements qui peuvent arriver dans la vraie vie. Quand ils sont déployés, parce que quand on utilise un médicament, on continue de vivre et il peut y avoir des actions que l'on mène dans la vie en prenant ce médicament qui fera mettre en évidence un effet indésirable que l'on n'aurait pas imaginé au cours des essais cliniques. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Donc, on a raison d'être vigilant. On a raison d'être vigilant pour ce qui se passe. Mais il faut qu'on le soit pour tous nos médicaments. Tous nos médicaments. Vous voyez bien en France qu'il y a certains médicaments aujourd'hui qui sont retirés, n'est-ce pas? Et pourtant, il y avait eu l'autorisation. Mais parce que ces médicaments continuent d'être sous l'œil des régulateurs, ils ne sont pas oubliés. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Donc là, le suivi est là et je crois que pour la COVID, il n'y a jamais eu un vaccin aussi scruté que celui-là. Donc, je pense qu'on ne laissera rien passer. D'accord. Alors, la prochaine question, alors tu as plus ou moins évoqué, enfin, apporté une réponse, mais comment expliques-tu que nos États, autant que les secteurs privés locaux, ont davantage soutenu la recherche pour le Covid que pour les autres infections? Tu avais plus ou moins commencé à y répondre tout à l'heure. Ben, là, ça reviendra à ce que j'appelle l'indépendance, même l'indépendance presque scientifique. Conduire une recherche dans un pays qui met en place des programmes de recherche, ce n'est pas un luxe. On a l'air de penser que c'est un luxe, c'est une nécessité pour un pays. Ça fait partie aussi de son indépendance. Et donc, malheureusement, n'étant pas indépendants scientifiquement, nos États n'étant pas, ne considérant pas la recherche comme pas une discipline, mais
comment on va appeler ça, comme un domaine qui mérite d'être indépendant, qui doit avoir une étiquette nationale. On fait beaucoup de copier-coller, malheureusement. Et comme nous, on est un pays francophone, les pays francophones vont faire des copier-coller de la France. Les décisions prises en France, on les adapte. Eux, en France, les décisions sont prises sur des faits, sur des résultats, sur des études locales, avec le autant que possible, avec des bases scientifiques, même si après, il y a des décisions politiques, mais il y a d'abord les évidences scientifiques qui sont prises en compte. Malheureusement, dans nos États, dans beaucoup de nos États, l'évidence scientifique n'est pas locale, n'est pas prise en compte. Même s'il y en a, on les ignore, on ne les voit pas et on fait des copier-coller de décisions prises ailleurs et dans les pays francophones, prises en France. Voilà. Donc ça, je le déplore, mais il y a beaucoup de pays africains qui aujourd'hui, de gouvernants africains qui aujourd'hui se basent sur la science conduite par les scientifiques locaux. Et l'Afrique du Sud en est un brillant exemple. Le président Ramaphosa, pour prendre ses décisions, il se base sur ces scientifiques qu'il écoute, il échange avec ces scientifiques. Il y a beaucoup de pays africains de plus en plus qui écoute les scientifiques et les résultats des scientifiques locaux qui peuvent être en contradiction avec ce qui se passe ailleurs. Et le président, les gouvernants vont suivre les recommandations basées sur ce qui se passe localement. Ça, c'est très important. Et j'espère que cela va... tu pourrais me dire, oui, mais... Si les scientifiques locaux ne conduisent pas de recherche, comment vont faire les gouvernants, nos gouvernants pour prendre des décisions? Et c'est le cas, malheureusement. Il y a eu beaucoup, tous les pays là aussi, il y a eu des copier-coller, tous les pays qui ne s'intéressaient pas à la science ont mis en place des comités scientifiques COVID. Alors, il y en a partout, voilà. Voilà, on n'a pas mis pour le paludisme, on l'a mis pour la COVID des comités scientifiques, c'est très bien. Mais si, dans le même temps, dans le pays, les scientifiques n'ont pas les moyens de conduire une recherche, ces comités scientifiques vont se baser sur quoi pour prendre les décisions? Ils vont se baser sur les résultats des scientifiques du Nord ou des études conduites ailleurs pour faire de l'à peu près localement. Donc vraiment, c'est le serpent qui se mord la queue, malheureusement, mais il faut d'abord investir et puis après on a le retour sur investissement. D'accord. Alors, là, je reviens sur. Je vais m'adresser à la chercheur que tu es précisément et dans un cadre bien particulier en Afrique. J'aimerais savoir à quel point les problèmes d'électricité impactent. La recherche en Afrique. Tu as certainement vécu cette difficulté. Est-ce qu'il y a un impact Oh oui, il y a un impact. Je vais vous dire l'exemple le plus frappant. Par exemple, quand on conduit des études, les scientifiques du monde entier doivent avoir des congélateurs, dont on a beaucoup parlé pour la COVID, les moins 80, des congélateurs qui... Voilà. En recherche, c'est un outil indispensable que l'on a, des moins 80, qui sont faits pour conserver nos échantillons sur le long terme. Mais quand on a un moins 80, il faut que la chaîne d'électricité soit permanente. On ne peut pas, comme ça, avoir des va-et-vient, des coupures d'électricité, sinon on perd ses échantillons, forcément. Donc, ça veut dire que quand on veut un moins 80, il faut s'assurer de la chaîne d'électricité. Avec nos coupures permanentes, ça veut dire qu'il faut des groupes électrogènes puissants. Donc, on voit déjà
les limites et le financière déjà, technique et, financière. Donc, en Afrique, ou moi je dirais au Congo, mon expérience, c'est que on réfléchit deux fois, trois fois plus. Je réfléchis deux, trois fois plus que mes collègues en Allemagne ou en France ou aux États-Unis. Parce qu'il faut penser à chaque... On ne peut pas penser que manipulation de laboratoire. Nous devons penser aussi l'environnement de la recherche parce que notre manipulation, toute simple, dépend de l'électricité, de l'eau, qui n'est pas que l'on n'a pas en fourniture continue, malheureusement. Donc oui, ça impacte terriblement non seulement la qualité du travail, mais aussi les ressources financières, parce qu'il faut mettre un budget conséquent pour avoir un groupe électrogène qui fonctionne en permanence pour être sûr que nos échantillons et notre travail est de qualité. Donc c'est un défi de plus, mais même Internet, le coût d'Internet, aujourd'hui, mes collègues, sur un seul clic, ils font leur recherche et nous, il faut 10 clics quelquefois pour pouvoir avancer. C'est extrêmement pénible et dans le même temps, il faut qu'on soit en compétition avec nos collègues du Nord. Ah, c'est pas facile. D'accord. C'est pas facile. Alors, la question qui va suivre justement est intéressante parce que du coup, alors toujours en lien avec la COVID, la COVID a-t-elle renforcé la collaboration régionale et sous-régionale? Oui, absolument, comme ce que je disais, que la COVID a permis de parler à des gens avec qui on ne parlait pas, qu'on ne connaissait pas, et de partager les idées, les protocoles, les solutions. Ça a été fantastique. Ça a été une expérience unique, pouvoir tous les jours écouter des présentations du Chili, de partout, de scientifiques qui exposent le travail qu'ils ont fait, les solutions qu'ils ont fait, leur interprétation des résultats. Donc, nous, dans la sous-région, le Congo démocratique, on a échangé des réactifs à un moment avec le confinement. On était en rupture de certains réactifs. Nos collègues du Congo démocratique, de Kinshasa, nous ont envoyé des réactifs. On a beaucoup partagé, et ça, j'ai beaucoup aimé, dans la sous-région avec le Gabon, le Cameroun, le Congo démocratique, et nous, vraiment, oui, c'était, et les collègues du Nord, ça a été vraiment, ça a ouvert, les échanges. J'ai amélioré les échanges et on a fait connaissance de collègues que l'on ne connaissait pas. Donc oui, ça c'est... D'accord. Et j'espère que cela va continuer. D'accord. Ok. Bon, on arrive. Il me reste encore quatre questions. On va bientôt y arriver. Les femmes et les filles sont-elles sous-représentées dans les domaines relatifs aux sciences, en Afrique, du moins, en Afrique. En Afrique, dans le monde, c'est 33% environ de femmes dans les sciences. En Afrique, on voit de 4%, la Guinée, par exemple, peu de femmes, Mali, et puis la Tunisie avec 55%, l'Afrique du Sud aussi, la présence des femmes est importante dans les sciences. Au Congo, on est à 13%. Donc, vous voyez, non, il y a encore des efforts à faire, oui, pour qu'il y ait plus de femmes dans les sciences. Mais alors, quel rôle et place les femmes africaines ont-elles à occuper dans le développement scientifique et technologique de leur pays? C'est vrai. Les femmes, c'est vrai que... une femme, c'est femme, homme, c'est pareil. Mais je pose ma question parce que manifestement, il n'y a pas beaucoup de femmes. Du coup, pourquoi je pose cette question? C'est vrai,
qu'il est raisonnable de considérer les potentiels de créativité de la femme qui sont là et que malheureusement on marginalise. Et la femme représente à peu près 50% ou un peu plus de la population humaine. Donc, son potentiel de créativité. Ensuite, on s'est très bien rendu compte que les groupes de recherche qui avaient des femmes dans au sein de leur groupe étaient plus performants, avaient de meilleurs résultats que des groupes composés que d'hommes. Cela a été très bien montré. Donc, il est important d'avoir leur place. On se rend compte dans la créativité que la femme enceinte, est-ce que les hommes qui font de la recherche ont toujours à l'esprit le problème des femmes enceintes? Non, la femme enceinte est à elle seule déjà, bon, dans mon domaine en tous les cas, un sujet de recherche, d'investigation important. Donc, faire de la recherche, les essais cliniques, faire des essais cliniques que sur les hommes ou ne pas impliquer les femmes, ça veut dire qu'on va voir le monde, et c'est ce qui est en train de se passer, on voit beaucoup le monde avec le regard des hommes. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est très important. Est-ce qu'on va créer de l'intelligence artificielle? Nos robots vont penser comme pense un homme. On sait très bien que la créativité des femmes est différente. On est complémentaires. C'est important de mixer les deux. Donc, et l'intelligence artificielle, il y a pour le moment, ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle, il y a essentiellement des hommes. C'est dangereux parce qu'on va créer une intelligence artificielle qui aura un regard masculin et on va oublier des thématiques. Le regard féminin qui est très très important aussi. Donc je pense que là, on ne peut pas parler de développement et en Afrique, on ne peut pas parler de développement sans impliquer la femme. Dans les décennies qui vont arriver, que va-t-il se passer pour l'Afrique? On va avoir on est déjà dans une démographie galopante. Donc, mais on aura de plus en plus le défi économique et l'adéquation avec le défi démographique. On fait des plans d'amélioration de l'infrastructure, l'alimentation, l'éducation, la formation. Est-ce qu'on tient, on, et comment on intègre le défi démographique? Et c'est là où la femme intervient. Le défi démographique, si la femme s'en empare, la femme, c'est elle qui porte les enfants, c'est elle, s'il y a une régulation de la naissance, elle est aux premières loges. Donc, si elle est impliquée, si elle comprend tous les défis, si elle est autour dans tous les débats, à tous les niveaux, au niveau de la décision comme au niveau le plus bas, et qu'elle comprend les enjeux, elle va complètement participer à cette régulation démographique qui va permettre de mettre en adéquation le développement économique, l'infrastructure et la démographie. Sinon, ça va être l'explosion et on ne s'en sortira pas. Donc, la femme, et c'est la femme qui élève en Afrique, c'est la femme qui élève les enfants. Donc, la femme est complètement au cœur de la situation et donc, il est important qu'elle soit dans les sciences, mais qu'elle comprenne tous les enjeux, parce que c'est elle qui va permettre vraiment d'être le chef d'orchestre de tout cela. Donc ça, j'y crois parfaitement. Et si on l'oublie, malheureusement, cela va nous revenir au visage. Et alors, quel mécanisme au niveau de l'État ou de la société civile pourrait encourager l'intérêt des filles pour les sciences? Déjà prendre en compte sa spécificité. Bon, dans notre environnement, en tout cas culturel, il faut l'accompagner, qu'il y ait des bourses spécifiques pour la jeune fille, pour la femme.
Vous savez, je suis dans des comités directeurs d'évaluation de bourses internationales pour différents bailleurs de fonds. Il y a des femmes africaines qui ont la possibilité, qui sont lauréates de ces bourses très importantes pour aller aux États-Unis, mais il y en a beaucoup qui refusent. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas partir 2 ans, 3 ans et laisser leur mari et l'enfant ou les enfants. Elles préfèrent renoncer à sa carrière, à cette possibilité de promotion, d'élévation par les sciences, par le travail qu'elle a choisi, tout simplement parce que ses responsabilités familiales ne sont pas prises en compte. Donc, ça veut dire que, ayant compris cela, il faut que nos décideurs mettent en place des packages pour la femme scientifique, de façon qu'elle ait la possibilité de partir pendant un moment avec sa famille, que si son mari, par exemple, est obligé de prendre une mise en disponibilité, que cela lui soit facilité pour que tout. Voilà, il faut mettre en place des mécanismes spécifiques qui permettront à cette femme, dont le cerveau est utile parce qu'il va permettre de trouver des solutions pour le pays, lui permettre d'aller acquérir d'autres connaissances qui, de retour au pays, pourront contribuer au développement du pays. Donc cet investissement dans la famille n'est pas un investissement mort, au contraire. Donc ça, c'est un exemple. Donc il faut accompagner, en tenant compte de notre culture, de notre environnement, la jeune fille, la femme, à continuer à exceller dans les sciences. D'accord. Alors, en Afrique subsaharienne, l'enseignement supérieur, à travers ces établissements, en tout cas, sont encore trop souvent des lieux d'enseignement, avant d'être des pôles de recherche. Donc, du coup, c'est pour ça que je parlais de quels sont ces mécanismes qui vont pouvoir aider justement les femmes. Est-ce que, au niveau des sortir juste de l'enseignement, au niveau des pôles de recherche, qu'est-ce que les États peuvent faire? Je veux dire, dans beaucoup de pays, un, le statut du chercheur n'existe même pas. Donc déjà, ça montre déjà qu'au niveau de l'État, ils ne savent pas ce que c'est qu'un chercheur, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'est un chercheur. Premier problème. Deuxième problème, on va dire enseignant-chercheur, soit. Ça veut dire qu'il faut mettre les moyens, il faut qu'il y ait des laboratoires, effectivement, comme tu dis, dans les universités. Malheureusement, il n'y a pas cet investissement. Donc, il y a des étiquettes d'enseignants-chercheurs, mais dans la réalité, ce sont que des enseignants. Donc, c'est ça la réalité. Parce qu'on ne met pas l'infrastructure nécessaire dans une université, parce que normalement, l'université est l'endroit où foisonnent les idées, où la recherche fondamentale se développe avant d'être récupérée à l'extérieur par les secteurs privés ou publics, des institutions de recherche proprement dites. Donc, tant qu'on n'aura pas fait cet effort, mais pas que pour les femmes, ça c'est pour hommes et femmes, d'investir dans des vraies universités qui soient effectivement des pôles de recherche aussi, on restera dans le même problème parce que peut-être que même le statut du chercheur peut se développer à partir de l'université et puis après se développer à l'extérieur. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La recherche est complètement, est le parent pauvre de la réflexion du développement de nos pays, encore malheureusement, malheureusement, malheureusement. Alors, ma dernière question. En tant que chercheuse, quel rapport as-tu avec, ou entretiens-tu, si c'est le cas, avec praticien ou la médecine traditionnelle ou la médecine par les plantes? Alors, c'est une médecine évidemment que je respecte parce que ce sont les savoirs endogènes que je reconnais parfaitement, mais il faut qu'il y ait des ponts
actif entre justement cette médecine traditionnelle et la recherche conventionnelle, on va dire. Parce que la recherche que je conduis répond à des protocoles. On doit faire des protocoles qui permettent de valider des produits, non, comprendre ce que sont ces produits et puis valider leur action, s'ils s'adressent qu'aux enfants, ensuite l'utilisation. Mais tout ça se fait en suivant des schémas d'évaluation qui sont des essais cliniques, par exemple, de différentes phases. Mais le tradit thérapeute n'a pas la connaissance de ces processus de validation. Donc, il faut que nous collaborions pour que moi, je lui apporte ces processus, que je l'aide à valider ces produits pour notre intérêt commun. Là, c'est vrai que le dialogue n'est pas encore bien huilé. Mais de plus en plus, il est huilé. De plus en plus, il y a une communication, une meilleure communication entre les chercheurs et les tradithérapeutes. Mais effectivement, ils ont peur et ils ont raison. Il faut que leurs produits soient protégés, leurs plantes. Bon, je ne sais pas. Bon, là, je ne suis pas experte de la propriété intellectuelle et la propriété des produits. Mais les pays, par contre, font des efforts justement pour encourager les scientifiques, les tradithérapeutes à valider leurs produits. Mais là aussi, cette validation passe par des schémas d'enregistrement pour faire valider en tant que propriété intellectuelle. Et donc là, il faut une collaboration. Donc, il faut ces passerelles et ces passerelles doivent être mises en place, évidemment, par les différents ministères du tutelle, parce que c'est très important, encore une fois, si on veut avoir des médicaments qui viennent de notre pharmacopée, il faut cette collaboration. Sinon, malheureusement, un jour, l'industrie pharmaceutique enverra des personnes et on perdra ces produits qui seront immédiatement mis sous protégés et on perdra notre produit, notre connaissance, notre plante. Donc, il faut une meilleure collaboration. Donc, voilà, c'est ce que l'OMS encourage cela, les États encouragent cela, mais c'est pas que, il faut pas que des encouragements verbaux, il faut des actes et il faut des outils d'accompagnement et pour que cela se fasse. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, je vais laisser donc ceux qui sont là avec nous compléter ou réagir en tout cas.